Oh salut, donc voilà, donc vous voyez, donc à peine 3 secondes se sont écoulées. Donc les éléments de crafting, alors voilà, une bâtonnée. Alors ceci est un manche pour faire n'importe quel outil. Alors soit vous faites en cobble, donc ceci est une pioche en cobble, voilà, en pierre quoi. Ceci est une bêche. Et ceci est une hache. Voilà. Ensuite, donc ça, donc les cobbles là, vous pouvez les remplacer soit par des planches de bois comme ceci, soit par des lingots de fer hein, comme ceci, soit par des lingots d'or comme ceci, mais je vous le déconseille sérieusement, parce que c'est vraiment de la merde, y a pas à dire. Et ceci est du diamant. La ressource tant convoitée et la plus rare du jeu. Qui se trouve entre la couche 0 et la couche 19 du jeu. Fail. C'est un micro fail. Voilà. Donc je sortirai, je pense, une vidéo par semaine. Et ce que je vais faire, c'est déjà. Bon, bah, je vais mettre. Ensuite. Donc, je voulais dire aussi, je vais jouer la carte de la prudence et de l'économie, qui sont donc les deux points forts de mon style de jeu. Alors, je sais toujours plus là. Lord Chest. Donc les fours, les coffres, les tables de crafting sont empilables jusqu'à 64. Ce qu'on appelle des stacks. Un stack c'est 64 unités. Une ressource. Je finis ma pioche en bois. What the fuck? Ah bah dis donc, elle est pas très très on marque. Pas mon chest de. Oh super. Bon je vais donc poser mes deux corps ici. Qu'est-ce que je peux déposer? Bon alors pas grand chose parce que de toute façon je vois pas ça. Ouais. Donc je vais commencer par construire mes bûches avec d'autres bûches pour faire du charbon de bois. Ça vous le savez peut-être pas, mais en faisant cuire du bois brut, vous avez du charbon de bois. Et le charbon de bois a exactement les mêmes propriétés que le charbon normal. Donc très pratique. Certains considèrent que c'est de la triche. Moi, je trouve pas. Ça, c'est pas mal de ma part. Parce que là, maintenant, il n'y a rien, il faut passer. Hop, voilà. Là, au moins, je trouve. Ensuite, voilà, je voulais essayer de l'angoisse. Jamais un plafond assez bon. Qu'est-ce que vous voulez? Eh ben, vous voulez peut-être c'est qu'on avance un petit peu dans le minage aussi. Donc alors il va me falloir énormément 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 de bâtons. Et déposer ce qui n'est pas nécessaire. Peut-être que ça serait plus malin. Hop, 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 la vie. Donc je garde un cœur en moins pour vous montrer que je repasse pas en mode peaceful.
entre temps. Et je vais déposer. Donc, alors en appuyant sur la touche Shift, et que vous faites, et quand vous faites un clic, tac, vous déposez directement dans le coffre. Et je vais donc vous faire des échelles. On pourrait même s'arrêter. Voilà, bon, je vais attendre avec ça, mais bon. Alors, ceci. Je descends un petit peu son torche. Donc, depuis la version 1.5, parce que je suis en 1.7, ah oui, j'ai oublié de vous préciser, je sais, ce n'est pas bien, j'ai une version piratée de Minecraft. Alors, quand on est contre une échelle, en appuyant sur la touche Shift, Sneak, on ne descend plus. Par contre, c'est plus long au minage. Voilà, il me reste combien? Il me reste 6 minutes au chrono. Mais cela m'évitera de tomber bêtement dans de la lave si jamais... Et donc mon but est d'aller jusqu'à la dernière profondeur comme ça. Si je tombe sur une grotte naturelle, ben, tant mieux, je l'explorerai. Des forages comme ça. Donc j'essaie de finir ma pioche en bois là. Ah, ouais, la lumière peut-être. Mais les torches sont là. Donc, oh, bah, j'ai déjà joué. Hop, allez, hop. Donc, je peux me faire un petit peu de... Pourquoi j'utilise à chaque fois ma table de crafting pour faire ça? Hop. Toi, tu vas avec les autres. Le charbon de bois un hein, très très intéressant. Ça c'est pas bien. Qu'est-ce que j'ai appuyé? J'ai pas pu aller à tout shift. Bon. Je démontre ça. Ça va le poser. Hein. Et voilà, une torche. Comme ça, vous avez un peu plus de lumière. Bon, il me reste combien, 4 minutes, donc bon, désolé, là, c'est pas très intéressant. J'avoue. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bah là, pas grand-chose, hein. Là, je vais essayer d'atteindre le fond. Je sais même pas si je vais l'enregistrer, en fait, ce truc-là, parce que c'est tellement chiant pour vous, je suis chiant. C'est simple, hein, c'est toujours la même chose, donc je descends. Et bah, c'est simple, je vais creuser, si jamais je trouve quelque chose d'intéressant, bah, je reprends une vidéo. Simplement. En attendant, il me reste 3 minutes, donc je peux voir qu'est-ce que je peux vous dire. Sinon, je vous montrerai bien quelque chose sur le serveur. Pas tout de suite, hein. On va attendre un petit peu. Ça, je vous en bavais un petit peu. En plus, en ce moment, il y a pas grand monde d'actifs sur le serveur étant donné que la plupart sont partis en vacances. Il y a 3 d'entre eux, on n'a pas de nouvelles depuis plus d'un mois.
Bon, on va bien y arriver. Ah bah, j'ai plus d'échelle. Bon. Bon, on va partir pour une petite séance de... de bois. Mais il me reste 2 minutes. Je vois pas vraiment quoi vous dire. Je n'ai toujours pas par exemple retrouvé les pseudos de, des gens que je voulais saluer. J'avoue que j'ai eu un gros moment de flippe. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. Avoir du fil m'intéresserait. Pouvoir pêcher. Et je vous apprendrai à pêcher en pleine grotte naturelle. Enfin, là, ouais, en grotte naturelle, enfin... Ah, ça c'est intéressant. Ça. Ah, ça, des os. Si je tombe, si je trouve des chiens, alors là, ce serait le must. Pareil, je sais pas pourquoi je m'embête pas en solo, mais je vais pas le faire ici quand même. Mais... on va pas dire que je sais pas parler. Donc les os peuvent servir à 3 choses. Soit ils permettent de... Je vais pas le trouver, hein. Je suis même pas sûr qu'on me pointe sur les environs. Je suis paumé complètement. Donc c'est quand même. Je préfère rester dans les environs en fait. Je disais, les os peuvent servir à 3 choses. Soit ils peuvent teindre la laine en gris. Soit on peut faire des colorants, d'autres colorants en mélangeant par exemple du rouge et de la poussière d'os. Donc on craft de la poussière d'os. Faire des coups par exemple en mélangeant du rouge et de la poussière d'os, on fait du orange, ou alors ça peut servir à dompter les chiens ou à faire pousser les arbres plus rapidement. Voilà, bon ben écoutez, mon chrono est en train de sonner, ça veut dire que j'attends la fin de la vidéo, donc sur ce je vous laisse et à bientôt.